Test, 1, 2, test. Test 1, 2.
Alors, bon samedi, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce reportage pour la rencontre entre les lauréats du cégep de Saint-Hyacinthe et les rebelles de Sorel-Tracy. Comme à l'habitude, je suis avec l'entraîneur adjoint des lauréats, Charles-Olivier Cusson. Et là, Charles-Olivier, pour la première fois du 9 décembre, hier, là, les lauréats étaient en action. Ça faisait vraiment, vraiment longtemps. Et là, tout d'un coup, deux matchs en deux jours. Comment est-ce qu'on se prépare là, pour deux matchs en deux jours après une si longue pause? C'est certain, c'est essayer de garder un certain momentum, un certain rythme dans les pratiques. Surtout le fait de ne pas avoir joué là, la fin de semaine passée, c'est de garder les gars motivés à garder le rythme puis aller chercher les petits détails qu'on avait acquis avant Noël. Mais c'est sûr qu'on se prépare comme si on avait joué la fin de semaine passée parce qu'on sait que Sorel ont déjà joué trois matchs pour aujourd'hui depuis Noël. Puis hier, Sainte-Foy avait déjà joué un match, donc c'est à nous là, de suivre le rythme. Hier, notre première période a été typique d'un retour de Noël. Ça nous a fait mal. Mais je pense que plus le match avançait, plus on était confortable ces détails. Puis je pense qu'on va continuer sur notre lancée là, dès le début du match. On n'a pas le choix, en tout cas, parce que Sorel vont être prêts. Ça va être à nous de faire le travail dès le début. Oui, exactement. Il va falloir un bon début de match. Là, on entre dans la deuxième portion de la saison en 2024. Ce sont quoi là, les résolutions pour les lauréats? Bien, c'est sûr que notre défi d'équipe, ce serait, comme tout le monde, de monter au classement. D'aller chercher potentiellement l'avantage de la glace pour la première ronde des séries. Mais je pense qu'en tant qu'équipe, il faut rester concentré à jouer dans notre système, de ne pas improviser, d'être constant aussi là, match après match. Puis je pense que ce qui va faire la différence, ça devrait être nos unités spéciales. On a mis beaucoup d'accent dessus depuis le mois de novembre. Hier, on a commencé à avoir des résultats, là, surtout sur notre avantage numérique, la rondelle qui a beaucoup plus bougé. Donc les gars qui semblaient être confortables. Je pense que c'est la constance, puis surtout les unités spéciales, là, il faut faire le travail parce qu'on sait que ça va jouer encore plus physique après Noël. Il va y avoir encore plus d'avantages numériques, probablement dépendamment des équipes contre qui on va jouer. Donc ça va être à nous vraiment de faire le travail dans nos deux unités. Oui, on l'a remarqué là, hier, l'avantage numérique, là, malgré qu'au début, en deuxième période, on n'a pas marqué, non. Mais quand même, l'avantage numérique s'est très bien comporté. Exact. On restait en territoire offensif, il y a eu d'excellentes menaces là, en fait. Vraiment. Bon, là, on joue contre la deuxième équipe au classement. Tu l'as mentionné, là, c'est un bon défi, les rebelles. Par contre, dernier match entre les deux équipes, en fait, ça a été le seul là, cette saison. Les lauréats ont remporté 4-2 ce match-là. Qu'est-ce qu'on va essayer de reproduire aujourd'hui pour rejouer le tour aux rebelles? Bien, on sait que c'est une équipe qui est très offensive. Donc, ça va être d'essayer de limiter leur surnombre. Puis leurs entrées de zone en contrôle, on sait qu'ils ont des marqueurs qui produisent là, sans arrêt. Donc, ça va être vraiment d'être responsable défensivement. Mais aussi offensivement, pour ne pas donner ces surnombres-là. Puis je pense aussi notre gestion de match qui a peut-être fait un petit peu défaut hier dans la dernière portion du match alors qu'on tirait à l'arrière. Ça va être important aussi là, de gérer le cadran là, selon leur score pendant tout le match. Oui, et tu sais bien de parler de leur attaque qui est vraiment dangereuse. Ils sont deuxièmes pour les buts pour dans la Ligue avec 96, bien évidemment. Une attaque très dangereuse. Par contre, du côté des lauréats, ça se passe bien aussi en attaque. Tu m'as parlé là, du trio de Loranger, Ouellette et Trépanier. Ouais. Ils se sont très bien comportés hier. Oui, exactement. On les a réunis. Puis, ont été là dans la majorité de nos chances de marquer. Ils ont eu plusieurs temps forts là, aussi en zone offensive. Donc, on a vraiment aimé leur contribution. Ça va être à eux encore de répéter ça. Je parlais de constance de quelques instants. Donc, ça va être à eux d'essayer de reproduire ça là, aujourd'hui contre une très bonne machine de hockey. Ouais, bon, merci. Je te souhaite un excellent match, une belle victoire. Je te le souhaite ça aussi. Merci. Merci, là, bon match. Alors, de notre côté, on va se retrouver dans quelques instants pour le début de la rencontre. À plus.
on est prêt pour le début de la rencontre entre les lauréats et les rebelles. Pour les lauréats, devant le filet, ce sera Esteban Gauthier. C'est un deuxième match en moins de 24 heures pour lui, un 17e cette saison. Et du côté des rebelles, c'est Félix Bernier qui va garder le but. Un 10e départ pour lui cette saison. Les joueurs se présentent au cercle des mises en jeu. Et on en a parlé dans l'avant-match. C'est le trio de Trépanier qui commence sur la glace. C'est un trio qui va très bien ces temps-ci. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un bon match. Et on est parti. C'est Prebzol qui fait dévier cette rondelle jusque dans le fond du territoire des lauréats. Sir tente de pousser plus loin, mais son chemin a été bloqué par Saint-Michel. Il est aidé par son autre défenseur, Lagacé-Tessier. Finalement, c'est repris du côté des rebelles. Prebzol des côtés là, qui travaillent le long de la bande. Finalement, c'est Loranger qui reprend. La passe est pour Ouellette. Ouellette pousse plus loin. C'était pour lui-même, mais c'est Joseph qui va aller chercher la rondelle dans le coin. Passe le long de la rampe pour Prebzol. Prebzol plus loin pour Saint-Michel. Saint-Michel remet un tir et le but! Et les rebelles qui commencent en force. Déjà un but, c'est Côté qui marque. Et déjà, c'est 1-0 pour les rebelles. Et le numéro 24, Léo Saint-Michel, qui lui récolte une 22e mention d'aide cette saison. Il va falloir le surveiller, là, lui, aujourd'hui. Et on en a parlé là, dans l'avant-match, l'attaque des rebelles, qu'elle est très dangereuse, la deuxième du circuit. Eh bien, on n'a même pas dû attendre une minute et déjà, on en a la preuve. C'est 1-0 pour les rebelles. Alors, le jeu a repris. C'est Kevin-André Blanchette avec le disque. Blanchette, sur le côté, c'est pour Jean qui jongle un peu. Rhodes vient l'aider et repousse la rondelle plus loin. C'est repris du côté des rebelles. On pousse plus loin, c'est pour Vézina Fusé. Rousseau intervient et la rondelle se retrouve au banc des rebelles. Alors, on va reprendre en zone neutre. Et c'est Rhodes qui remporte la mise en jeu. Beaupré remet à son défenseur Rousseau qui passe à Jean. Longue passe surélevée de Jean. Ça se rend jusqu'à Blanchette. Bien joué. Blanchette, avec peu de vitesse en entrée de zone, réussit à déjouer Couture, mais Couture reprend immédiatement la rondelle. Passe devant le filet. Ensuite, c'est Vézina Fusé qui voulait tirer, mais il a raté. Voici Rhodes maintenant. Rhodes remet à Beaupré. Beaupré plus loin pour Rhodes. C'est raté. Vézina Fusé reprend la rondelle. Le capitaine des rebelles avec la rondelle. Un tir, c'est raté. Et c'est Gauthier là qui immobilise la rondelle et force l'arrêt de jeu. Mise en jeu remportée par Cournoyer, mais c'est Charpentier qui a repris. On tente un dégagement, mais c'est raté. Charpentier reprend. Revient derrière son filet. Passe derrière pour Cuevas-Bellil. Longue passe. Et c'est Auger là qui va tenter d'annuler le dégagement refusé. Voilà, c'est fait. Bel effort du numéro 3 des lauréats. On se bat là dans le coin pour la rondelle. C'est repris là de la part des rebelles. Un dégagement, c'est Morin à la poursuite. Morin devant le filet, c'est intercepté. Rondelle, elle dévie là, pardon. Et c'est un tir de Joseph qui a été attrapé là, par Gauthier. Qui encore une fois là, va forcer l'arrêt de jeu. Mise en jeu là, remportée par Guénette. Dégagement immédiatement là après. Couture renvoie plus loin. Et c'est repris par Guénette. Guénette passe pour Morin-Hébert. Il renvoie derrière à Lagacé-Tessier. Passe pour Cyr. Cyr de retour là pour Lagacé-Tessier, mais c'est raté. La rondelle est venue là juste devant Gauthier qui a repoussé plus loin. Cyr avec la rondelle. Longue passe pour Morin-Hébert. Il remet à Guénette. Guénette en entrée de zone sur la gauche. Guénette, un tir, c'est bloqué par Bernier. Alors qu'on se bat derrière le filet pour la rondelle, Morin-Hébert vient appuyer son coéquipier. HB aussi, c'est lui là qui a fait une passe à Guénette. La passe pour Cyr qui n'a pu maîtriser, c'est repris par Morin-Hébert ensuite. Morin-Hébert renvoie en territoire ennemi,
Et ça va permettre là, d'effectuer des changements. C'est Saint-Louis qui est derrière son filet. Il s'avance, remet à Saint-Michel qui jongle le bloc avec la rondelle. Le rangé intervient, remet à Ouellette, mais c'est raté. C'est repris par Prebzol. Passe à Saint-Michel. Saint-Michel attend, passe à côté. Côté, un tir, c'est bloqué par Gauthier. Gauthier remet plus loin, intercepté par Saint-Michel. Côté, devant, c'était pour Saint-Michel, c'est raté. Et la chute de Prebzol permet à l'oranger de reprendre le disque. Trépanier, il pousse plus loin, tente de contourner. Dumoulin, il remet devant, c'était pour Ouellette. À l'embouchure du filet qui n'a pas pu tirer malheureusement. Voici l'oranger maintenant dans le coin. Il travaille aux dépens de deux rebelles. Trépanier vient l'aider avec une bonne mise en échec. Et c'est Harpin là qui remet pour Dumoulin. Dumoulin devant pour Saint-Michel. Plus loin, c'est pour Côté. De retour à Saint-Michel. Il a Prebzol sur sa droite. Il décide le tir. Ça rate la cible. Trépanier tente une passe pour Ouellette. Finalement, Trépanier reprend. 2-1 pour les lauréats. Bonne chance. Trépanier. La passe pour l'oranger. Un tir. Oh non, il tente une passe en fait pour Trépanier qui avait chuté. Et que c'est dommage. Bonne chance de marquer, là, pardon, raté pour les lauréats. Que c'est passé près. Et encore une fois, là, c'est Rhodes à la poursuite du disque. La chute là, de Joseph, il réussit tout de même à remettre devant. Fin de tir de dégagné. Voilà le tir qui vient finalement et c'est arrêté par Gauthier qui force l'arrêt de jeu. Et là, on peut dire que c'était une première bonne chance de marquer pour les lauréats. Et l'oranger a été patient, peut-être un peu trop patient en attendant Trépanier qui a finalement chuté. Et Trépanier là, aurait eu un filet désert là, si jamais il était prêt pour le tir. Alors que c'est Joseph avec la rondelle, passe au centre, on revient avec Dégagné. Dégagné pousse la rondelle plus loin, Lagacé-Tessier vient l'ennuyer dans le coin. C'est Blanchette ensuite qui intervient, il réussit un dégagement. Ça se transforme en passe pour Beaupré là. Et Rhodes qui vient l'aider. C'est Rhodes avec la rondelle justement, il pousse plus loin et c'est repris par Joseph dans son territoire. Joseph tente une passe devant, c'est raté finalement. Il va dégager. Et encore une fois, Gauthier immobilise la rondelle. Alors, on va reprendre à la gauche du gardien des lauréats. Mise en jeu remportée par Xavier Cuevas-Bellil. Immédiatement, on renvoie plus loin. C'est repris par Dumoulin, mais Dumoulin est gêné par Auger qui lui soutire la rondelle. Auger du revers, un tir, c'est arrêté par Bernier. Bel effort du numéro 3 des lauréats. Passe derrière à Charpentier. Charpentier effectue une feinte. Travaille du revers, revient sur ses pas. Remet à Auger là, qui le remplace à la ligne bleue. Auger tente de remettre plus loin et c'est raté. Il travaille là, le long de la rampe, gêné par des rebelles. Finalement, Cuevas-Bellil vient l'aider et remet à Cédric Cuevas-Bellil. Mise en échec, c'est Xavier Cuevas-Bellil qui l'aide une passe devant, mais c'est intercepté là, par Arsenault Roland qui dégage. Et la rondelle va se rendre jusqu'à Gauthier qui ne touche pas à la rondelle. Alors, ce sera un dégagement refusé. Donc après un début de match un peu brouillon pour les lauréats, où est-ce qu'on a déjà accordé un but, les lauréats semblent reprendre du rythme, on attaque, on a des bonnes chances de marquer. Mise en jeu remportée, Ouellette un tir, ça l'a frappé l'oranger, l'oranger renvoie devant, c'est Trépanier ensuite, passe à l'oranger, de retour à Trépanier, devant, c'est Ouellette là, qui a tenté de tirer, mais il y avait plusieurs joueurs des rebelles là, qui le surveillaient devant le filet. On revient en territoire défensif avec Charpentier. Devant, c'est pour Trépanier qui n'a pas pu faire dévier. Ce sera un dégagement refusé cette fois-ci au lauréat. Et c'est encore le trio de Trépanier, l'oranger et Ouellette là, qui ont menacé tout juste avant. Maintenant, on se retrouve en territoire défensif. Trépanier remporte la mise en jeu. Dégagement de Charpentier. Ça se transforme en passe pour l'oranger. Félix l'oranger va se contenter d'un lob. Et on va aller à la poursuite du disque maintenant. Longue passe pour Lefebvre. Lefebvre doit faire vite. Mise en échec de Morin-Hébert. Jean repousse plus loin. Et c'est Lampron. Il laisse glisser la rondelle un peu plus loin. C'est l'oranger ensuite qui a dégagé.
Et le voici justement, Félix Loranger avec la rondelle. Passe surélevée, c'est à la frapper le patin de Lefebvre. Lefebvre devant, c'était pour Lahaye, mais c'est raté. Voici Mika Jean maintenant avec la rondelle. Jean passe devant pour Morin-Hébert. Morin-Hébert pousse plus loin pour lui-même là sur la gauche, mais c'est raté. Et la rondelle va glisser jusqu'à Rousseau. Rousseau à Jean. Jean pousse plus loin, c'est pour Morin-Hébert, mais c'est raté. Et la rondelle revient à Jean. Rondelle qui dévie sur le bâton de Morin-Hébert, ça revient à Rousseau. Rousseau, une feinte. Une autre, c'est bien joué de Rousseau. Un autre tir et le but! Quel but, ma parole, Justin Rousseau! Il crée l'égalité suite à une manœuvre incroyable. Il l'a déjoué. Tous les rebelles qui se sont présentés devant lui. Wow! 1-1. Et c'est un deuxième but pour le défenseur des lauréats. Un but égalisateur en milieu de première période. Et ça, c'est un but qui peut donner confiance, non seulement à Rousseau, là, mais à toute l'équipe des lauréats. Quel but! Et le jeu a repris. Attention, c'est Saint-Michel qui tire et c'est passé bien près, là. De passer entre les jambières de Gauthier. Le jeu a repris, c'est Cyr avec la rondelle. La passe pour Lagacé-Tessier. Passe pour Ouellette, ensuite à Trépanier. Trépanier tente de contourner Couture, revient devant. Toujours Trépanier avec la rondelle. Il laisse derrière à Loranger. Loranger tente de se défaire là d'un assaillant. Ouellette vient l'aider dans le coin. Finalement, c'est Loranger qui reprend. Passe derrière. On revient avec Lagacé-Tessier. Passe ensuite à Mathis Cyr. Un tir et c'est arrêté par Bernier. Et quand on affronte là, une aussi bonne attaque que celle des rebelles. Bien évidemment, il faut une bonne défensive, mais il faut aussi une attaque qui va pouvoir suivre le rythme de celle de l'ennemi. Et jusqu'à présent, les lauréats qui travaillent très bien en attaque. On a eu plusieurs chances de marquer. Et c'est Rousseau là, qui a marqué le but des lauréats tout récemment, alors que le jeu est reparti. Dégagement de Dégagné, ça a frappé le bâton de Gauthier. Cyr, dans le coin, va dégager. Il s'est attrapé là en défensive. Un tir bloqué par Lagacé-Tessier avec la main. Attention, rondelle libre devant le filet. On réussit à dégager. Et c'est Blanchette qui soutire la rondelle. Ensuite, à Gendron. Beaupré avec la rondelle. Beaupré, un tir arrêté par Bernier. Il visait la partie supérieure. C'est repris par Rhodes derrière le filet. Rhodes gêné par Gendron. Il est aidé par Beaupré. Beaupré remet à Blanchette. Finalement, c'est raté. La rondelle va glisser jusqu'à Rousseau dans son territoire. Longue passe de Rousseau. C'est pour Beaupré. Beaupré passe pour Rhodes, mais la passe manquait de précision toutefois. C'est Blanchette qui reprend en territoire neutre, il dégage. Et ça va permettre à son équipe d'effectuer des changements. Et sortie de zone ratée là, du côté des rebelles, et c'est Cédric Kovacs-Bellil qui en profite pour dégager et aller à la poursuite de cette rondelle. Dégagement, ça se transforme en passe là en fait. C'est dégagné, il pousse plus loin, ça se rend jusqu'à Gauthier qui immobilise le disque. Et suite à la mise en jeu, c'est Cournoyer immédiatement, un tir arrêté par Gauthier. Il était prêt. Alors, on va reprendre cette mise en jeu là à la droite de Gauthier. C'est Cournoyer qui affronte Xavier Kovacs-Bellil. Cournoyer, encore une fois, remporte. Mais immédiatement, on intervient chez les lauréats. C'est Charpentier qui pousse plus loin. Kovacs-Bellil tente de pousser plus loin. On remet à Auger ensuite sur la gauche. Auger, toutefois, là, par la rondelle au dépens de Couture qui tente un dégagement. C'est bloqué par Charpentier à la ligne bleue. Il remet à Xavier Kovacs-Bellil. Et finalement, c'est repris là, par Couture. Couture contourne le filet, tente de se défaire de Xavier Kovacs-Bellil. Il va dégager la rondelle et ce sera un dégagement refusé aux rebelles. Alors, on va retourner en territoire offensif pour les lauréats. On envoie le trio de Trépanier, Ouellette et Loranger sur la glace.
en jeu, là, remporté par Cournoyer. C'est couture derrière le filet. Tendu de pousser plus loin, mais Trépanier vient le mettre en échec. Passe pour le ranger devant le filet. Un tir du revers. Et que c'est passé près. La rondelle a été partiellement arrêtée par Bernier. Elle a ensuite glissé hors cible. C'est Arsenault Roland maintenant qui attaque. Arsenault Roland revient devant le filet. Ça passe, ne trouve aucun rebelle. C'est lui toujours avec la rondelle dans le coin. Intervention de Breton. Il passe à l'oranger. L'oranger lobe pour Ouellet. Ouellet tente de se faufiler entre les deux défenseurs des rebelles, mais n'y parvient pas. Alors, voici les rebelles maintenant en contre-attaque. Un tir, c'est Cournoyé, là, et c'est complètement raté. Ça frappe le filet protecteur et on va donc siffler l'arrêt de jeu. Mise en jeu remportée par Lampron. Rondelé devant le filet, c'est Lahaye qui en a failli profiter. Bel arrêt de Gauthier. C'est Morin-Bert, la passe pour Cyr. Cyr à la de la rampe, voulait remettre à Ashby, mais sa passe est ratée. Finalement, on réussit à reprendre un contrôle du disque et c'est Ashby qui dégage. C'est Gauthier avec la rondelle, il fait glisser pour Cyr. Cyr pousse plus loin, la rondelle dévie sur Morin-Bert et la rondelle demeure là, dans le territoire des lauréats. Un dégagement, ça se rend jusqu'à Gauthier. Il remet à Lagacé-Tessier. Il pousse plus loin. C'est intercepté là, par Dumoulin. Un dégagement ensuite. Et la rondelle qui glisse jusqu'à... Et quelle mise en échec de Lagacé-Tessier! Au dépend de Lampron qui allait là, récupérer cette rondelle. Et encore une fois, le jeu physique qui est présent aujourd'hui. C'est Beaupré avec de la vitesse en entrée de zone. Beaupré, un tir bloqué par Bernier. Qui, oui, il va conserver la rondelle. On semblait attendre là, s'il allait remettre cette rondelle en jeu, mais non. Un arrêt de jeu. Et on va reprendre le jeu là chez les rebelles. Et il y a eu la mise en jeu de la cassette ici. On a également vu Loïc Ashby tenter de déranger là, en fait plusieurs joueurs ennemis. Et le Real là, qui tente de secouer un peu là, les rebelles en début de rencontre. Un dégagement de Rousseau. C'est contrôlé par Bernier derrière le filet. Et on voit là justement Blanchette qui vient ennuyer un défenseur adverse. Alors qu'on tente d'organiser une sortie de zone là chez les rebelles. Voilà, c'est fait, mais c'est raté. Et finalement, Rhodes a manqué son intervention. C'est repris par Saint-Michel. Un tir bloqué par Gauthier. C'est Blanchette maintenant. Il pousse plus loin. Rousseau vient l'aider, mais la rondelle est interceptée à la ligne bleue par Couture. Un tir, c'est raté. C'est Saint-Michel maintenant. Remet dans le coin à côté. Côté, à la ligne bleue. Joseph. À Saint-Michel. Derrière un tir de la ligne bleue, c'est Couture qui s'est essayé, mais son tir a dévié sur le filet protecteur. En jeu remporté par Xavier Covas-Bellil, c'est Cyr qui fait glisser pour Lagacé-Tessier. Lagacé-Tessier pousse plus loin, c'est intercepté toutefois, mais l'intervention de Covas-Bellil permet à Auger de reprendre la rondelle. Auger pousse plus loin pour lui-même, mais il perd la rondelle et c'est repris par Desgagnés. Desgagnés à l'aide de la bande effectue une passe, c'est intercepté là, par Cyr qui remet à Auger, mais Auger rate sa passe ensuite. Et c'est Desgagnés, longue passe pour Vézina-Fusé qui a de l'espace. Vézina Fusé, une feinte, tente de contourner le filet, mais belle intervention de Lagacé-Tessier pour lui bloquer le chemin. On tente de dégager, mais on en est incapable, la rondelle toujours derrière le filet. Et finalement, Gauthier saute sur le disque et l'immobilise. Et ainsi force l'arrêt de jeu. 7 minutes et 13 secondes à faire en première période. La marque est de 1 à 1. Il n'y a toujours pas eu de pénalité depuis le début de la rencontre. Et voilà, on envoie le trio de Trépanier, Ouellet et Loranger. Pour une mise en jeu en territoire défensif. Et on a Cyr et Lagacé-Tessier comme défenseurs. Et mise en jeu remportée par Trépanier. C'est Arsenault Roland toutefois qui intervient dans le coin. Rondelle libre. C'est Loranger maintenant qui passe à Trépanier. Trépanier pousse plus loin. Il voulait rejoindre Ouellet. Mais c'est raté. On doit recommencer là, la sortie de zone. C'est Lagacé-Tessier avec la rondelle.
Longue passe pour l'Oranger. L'Oranger est toujours avec la rondelle là, sur le côté gauche. Tente une feinte, une autre, mais c'est raté. Et c'est repris par Arsenault Rolland. Il passe devant pour Morin. Morin tente de contourner Breton. Remet devant. La rondelle a frappé le poteau. Et quel arrêt sur le retour d'Esteban Gauthier. C'est Arsenault Rolland qui a été frustré sur la dernière séquence, tout à la passe, là, qui a dévié. Et on a eu une rondelle libre là, dans l'enclave. C'est Rhodes qui reprend maintenant. Rhodes remet à Beaupré. Beaupré, transversal, un tir de Ouellet, c'est arrêté par... Et un poteau ensuite là, sur le retour. Bernier n'avait pas complètement maîtrisé la rondelle. C'est Breton qui reprend maintenant. Les Lorrains sont à l'attaque. Rhodes remet à Blanchette. Finalement, ça se rend jusqu'à Charpentier à la ligne bleue. Un tir, il cherche une déviation. C'est hors cible. Breton reprend, mais ne peut contrôler cette rondelle. Et c'est repris par Saint-Michel. Saint-Michel passe de l'autre côté. C'est dévié par Blanchette. Côté avec la rondelle. Ensuite, tente une passe. C'est intercepté par Rhodes, mais Rhodes rate son dégagement. C'est Charpentier, gêné par Saint-Michel. Côté vient l'aider. Côté tente une passe. C'est bloqué par Rhodes. Toujours côté, remet à Saint-Michel. Un tir sur réception, ensuite bloqué de la jambière par Gauthier. Le retour, c'est Prep Zone maintenant avec la rondelle. Il fait glisser pour côté. On rejoint ensuite Joseph à Couture. Couture, un tir, c'est bloqué par Blanchette. Prep Zone maintenant. Passe à Saint-Michel, du revers, il remet à côté. On envoie derrière à Joseph. Ah, ensuite Saint-Michel qui tente une feinte, du revers ensuite. Arrêté par Gauthier. Quel arrêt de Gauthier encore une fois. Au dépend de Prep Zone. Et on en avait plein les bras, là, lors de cette dernière présence. C'est le trio de côté, Prep Zone et Saint-Michel, là, qui en ont fait voir toutes les couleurs au 5 Lorrain sur la glace. Heureusement, Gauthier limite les dégâts et empêche les rebelles de marquer un deuxième but. Mise en jeu remportée par Trépanier. Rousseau du revers remet à Ouellet. Ouellet passe devant pour l'Oranger. L'Oranger travaille du revers. Tente de remettre à Ouellet. C'est raté, mais Trépanier vient l'aider. Trépanier renvoie de l'autre côté de la zone. Finalement, c'est repris par les rebelles. On tente un dégagement. C'est bloqué par Jean. Et c'est l'Oranger maintenant avec le disque. L'Oranger, belle feinte. On dépend de gagner, mais c'est repris ensuite là, par Gendron. Gendron tente un dégagement. Finalement, la rondelle quitte le territoire. Et c'est Vézina Fusée maintenant avec la rondelle. Vézina Fusée tente une passe, c'est intercepté par Jean. Jean remet au centre à Trépanier. Trépanier voulait rejoindre l'Oranger, mais c'est raté. Ce sera un dégagement refusé au lauréat. Mise en jeu remportée par Saint-Michel. C'est lui justement avec la rondelle. Tir de Joseph, ça se rend jusqu'à Gauthier qui fait l'arrêt de la jambière. Prep Zone maintenant dans le coin. Il se bat avec côté pour gagner la rondelle. On a Trépanier, c'est lui justement qui fait la passe à l'Oranger. L'Oranger lobe plus loin, c'est Ouellet là, qui va aller tenter d'embêter Couture. Il remet devant à côté, passe ensuite à Saint-Michel. Saint-Michel laisse derrière, tire sur réception de côté, c'est raté. Et c'est l'AKCTC qui pousse devant à Ouellet. Ouellet en entrée de zone. Laisse glisser plus loin. Et c'est Couture là qui dégage. Intercepté ensuite à la ligne bleue par Cyr. Le tir ensuite du revers. Rondelle libre. Ça se rend jusqu'à Cyr. Cyr remet dans le coin. C'est HB qui envoie plus loin. Guénette en intervenir. Aidé par Morin-Hébert. Ça se rend jusqu'à HB. Immédiatement un tir bloqué par Couture. Cyr ensuite se porte à l'attaque. Passe devant. Mais c'est raté. C'est repris par Morin-Hébert. Un tir bloqué en défensive. Et finalement, les rebelles qui dégagent. C'est l'AKCTC qui renvoie profondément en territoire adverse. Et les rebelles là, vont tenter de se réorganiser après avoir effectué des changements. C'est Saint-Michel avec la rondelle. Saint-Michel, la passe au centre. Tir de la haie, arrêté par Gauthier. Saint-Michel reprend. La passe à la ligne bleue, mais... on n'a pas pu maîtriser, là, c'est Harpin qui a perdu le contrôle de la rondelle. Morin-Hébert laisse à son défenseur Cyr. Cyr passe à l'AKCTC. L'AKCTC qui avance toujours avec la rondelle en zone neutre.
Il renvoie du revers jusque derrière le filet. Et c'est Cuevas Bélé là, qui va aller faire l'échec avant. Mais immédiatement, c'est repris par Arsenault Roland. Dégagement tenté, bloqué par Rousseau. Rousseau passe devant, c'est dévié. Et finalement, là, on rate la passe et c'est repris par Arsenault Roland. Le voici en contre-attaque, gêné par Rousseau. Auger vient aider son défenseur et c'est lui avec la rondelle maintenant. La passe devant pour Cédric Cuevas-Bélil. À Xavier Cuevas-Bélil ensuite. Xavier, un tir bloqué par Félix Bernier qui force l'arrêt de jeu avec 2 minutes et 13 secondes à faire à la première période. Enjeu remporté par Xavier Cuevas-Bélil. La rondelle glisse jusqu'à Mika Jean, mais attention, là, il s'est fait soutirer à la rondelle. Et c'est Lamy, un tir arrêté par Gauthier. Alors, on va reprendre le jeu là dans le territoire des lauréats. Et les lauréats, là, si on inclut le match d'hier, vont profiter de 4 matchs consécutifs à domicile. Va affronter là, samedi prochain et dimanche prochain les Gaillards de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, 2 matchs en 48 heures, pardon, là, encore une fois. La semaine prochaine, c'est Joseph à Vézina Fusée. Ça revient à Joseph ensuite. La passe à Couture. C'est dégagné maintenant. Dégagné un tir bloqué par Gauthier de la Jambière. Rondelle coincée dans le coin. C'est l'AGCTC et Rhodes qui travaillent pour les lauréats. On remet à Blanchette qui lobe le disque. Et c'est Beaupré ensuite avec la rondelle. Beaupré sur le flanc droit, tente de contourner. Couture passe devant. Et c'est Cyr là, qui s'était porté à l'attaque, mais il est frustré par Bernier. Cyr tente une passe, c'est raté pour Beaupré là. Et on reprend chez les rebelles. Rondelle qui dévie. Et on peut attaquer là, c'est Dégagné avec la rondelle. Dégagné freine et perd la rondelle. Et l'AGCTC ensuite remet à Blanchette. C'est repris par Vézina Fusée. Vézina Fusée, une feinte au dépend de la glissée Tessier. Il l'envoie devant le filet, ça l'a glissé tout près de Gauthier. C'est Dumoulin ensuite, là, qui perd la rondelle au dépend de Nathan Rhodes. Repris par Dumoulin et Beaupré là, va dégager. Et solide mise en échec de Blanchette qui a renversé des gagnants alors qu'on va calmer le jeu un peu chez les rebelles. On remet ensuite à Lamy, mais c'est repris par Ouellette. Ouellette, un tir bloqué par Bernier. Qui force l'arrêt de jeu. Et sous la mise en jeu, la rondelle est toujours prise au centre. Finalement, ce sont les rebelles qui reprennent la rondelle. On envoie au centre. C'est repris par Jean. Jean doit faire vite. Là, et on indique qu'il a eu passe avec la main. Donc, on va avoir une mise en jeu en territoire neutre. Trépanier face à Saint-Michel. C'est remporté par Saint-Michel. Immédiatement, on renvoie dans le territoire des lauréats et c'est Jean avec la rondelle. Passe pour Rousseau. Rousseau à Ouellette, mais Prebzol intervient et c'est lui avec la rondelle maintenant. Prebzol, un tir bloqué par Gauthier qui fait des vies plus loin. Saint-Michel renvoie derrière le filet. C'est repris par Rousseau. Passe à Jean ensuite. Jean lobe le 10 plus loin. Et c'est Ouellette avec la rondelle. Ouellette s'assure là de sortir cette rondelle de son territoire. Un dégagement bloqué là par Gauthier. C'est Rousseau avec la rondelle maintenant. Et c'est ainsi que se termine la première période et un peu de brasse camarade, pourquoi pas, après la sirène. Les deux équipes qui vont retourner au vestiaire avec un match au score de 1-1. Je vous rappelle que c'est Justin Rousseau qui a marqué pour les lauréats suite à une très belle manœuvre. Là, il a déjoué plusieurs joueurs et ensuite un tir parfait dans la partie supérieure. Du côté des rebelles, c'est Donovan Côté qui a marqué. Après environ 40 secondes de jeu en tout début de première période. Alors, on va s'arrêter pour une courte pause. Et au retour, ce sera la deuxième période. À plus, chers téléspectateurs.
Alors, on est prêt pour le début de la deuxième période. Je vous le rappelle, c'est 1-1 la marque. Et on commence avec le trio de Trépanier pour les Lauréats. On commence avec le trio de Saint-Michel pour les Rebelles. Et voilà, la rondelle est en jeu pour le début de la deuxième période. C'est Rousseau, l'auteur du but des Lauréats, plutôt en première période. Passe pour Jean qui dégage. Et ce sera Joseph là, qui va aller chercher cette rondelle. Immédiatement un dégagement dévié par Prebzol pour Saint-Michel. Saint-Michel, un tir en entrée de zone. Attrapé facilement par Gauthier qui force l'arrêt de jeu. Et il va falloir être vigilant lorsque ce trio-là de Saint-Michel, Côté et Prebzol sera sur la glace. Plusieurs fois, on les a vus passer beaucoup de temps en zone offensive et s'offrir d'excellentes chances de marquer. Alors voilà, on est prêt à remettre la rondelle en jeu. La rondelle qui reste coincée, c'est Côté qui est allé la chercher. Il passe à Prebzol, un tir, il fend en l'air et c'est repris par Ouellette. Ouellette pousse plus loin, tente de contourner Couture. Il est aidé par Loranger derrière le filet. Loranger dans le coin, se fait soutirer la rondelle, c'est repris par Prebzol qui manque sa fin toutefois. Et les Lauréats reprennent. Là, il y a cet essier. Tente de se défaire là, de Côté qu'il pourchasse. Il passe à Cyr. Longue remise pour Trépanier. C'est pour Loranger ensuite là, qui ne peut contrôler du patin. Prebzol la passe pour Donovan Côté. Côté, devant à Saint-Michel, de retour à Prebzol. Prebzol, une fête, le tir et quel arrêt de la jambière de Gauthier qui ferme la porte. Remise devant pour Trépanier ensuite. Ouellette avec la rondelle. Ouellette pousse devant. La rondelle glisse derrière le filet. C'est Arsenault Roland maintenant. Une passe interceptée par Beaupré. Beaupré gêné là, par Arsenault Roland. Et la rondelle est reprise par Saint-Michel. Il remet à Arsenault Roland. Un tir faible bloqué par Gauthier qui immobilise le disque. Encore une fois, le premier trio des Rebelles qui menace tôt en période. Et c'est Prebzol cette fois-ci qui a eu une chance en or. Heureusement pour les Lauréats, Esteban Gauthier qui sort la jambière in extremis et qui fait l'arrêt alors que le jeu a repris. La rondelle est dans le coin. Intervention de la Cassette-Essier. Il est aidé par Kevin André Blanchette et Nathan Rhodes. Finalement, c'est Cournoyer qui reprend un tir bloqué là par Gauthier. Et on va en profiter pour effectuer des changements chez les Lauréats. Mise en jeu remportée là, par Cuevas Belil avec l'aide de Auger. Justement, c'est lui avec la rondelle maintenant. Auger pousse devant et ça se transforme en dégagement. C'est repris par Dumoulin. Il remet à Arsenault Roland qui lobe le disque et c'est repris là. Attention par Cournoyer. Finalement, il n'a pas pu conserver le disque et ça glisse jusque dans la mitaine de Gauthier qui immobilise la rondelle. Et on renvoie le trio de Rhodes, Blanchette et Beaupré. Mise en jeu là, remportée par Vézina Fusée. On envoie derrière le filet, c'est Mika Jean et Nathan Rhodes qui travaillent. Et c'est repris, l'attention, un tir, on revient devant le filet. Et Gauthier qui plonge sur la rondelle pour l'immobiliser. Et ce sont les Rebelles qui passent du temps de qualité en territoire offensif là, depuis le début là, de la deuxième période. Heureusement, Gauthier veille au grain. Et cette fois-ci, c'est Rhodes qui remporte la mise en jeu. On dégage à l'aide de la baie vitrée. Et la rondelle va glisser jusqu'au gardien Bernier. Passe devant, c'est Couture qui voulait remettre à l'ami, là, mais ça passe. Manque de précision. Et c'est au tour des Rebelles là, d'avoir un dégagement refusé par les officiels. Alors, on va avoir une mise en jeu en territoire offensif pour les Lauréats. C'est Rhodes qui remporte la mise en jeu, mais
Les premiers sur la rondelle, ce sont les rebelles. C'est Couture qui remet à l'ami. Passe ratée, on renvoie devant. Rhodes avec la rondelle. Rhodes passe à Blanchette. Blanchette, un tir et le but! Kevin André Blanchette! Et c'est 2-1 les lauréats. Il accepte la brillante passe de Nathan Rhodes et marque d'un tir bas du côté gauche. Les lauréats prennent l'avance. 2-1. Et c'est un 14e but pour Kevin André Blanchette cette saison. En seulement 23 matchs. Mise en jeu remportée par les rebelles. Et ce sont les lauréats là, qui marquent tôt en cette période cette fois-ci. Passe ratée du côté des rebelles. Ce sera un dégagement refusé, oui, malgré l'effort là, de la haie. Et après là, plusieurs chances de marquer des rebelles, ce sont les lauréats qui marquent à leur première opportunité en deuxième période. Alors qu'on reprend le jeu en territoire offensif pour les lauréats. Ce sont les rebelles toutefois qui dégagent. Sera-t-il refusé? Oui, on entend ce fait d'officiel. Alors on va reprendre là, cette mise en jeu tout près du filet de Félix Bernier. Mise en jeu remportée. Immédiatement un tir qui a été bloqué là, toutefois. C'est Ouellet qui a tenté sa chance. Dégagement d'Arpin. C'est Lay qui fait dévier jusqu'en zone neutre. Immédiatement, Ouellet renvoie dans le territoire ennemi. Et c'est Arpin avec la rondelle derrière son filet. Arpin qui tente d'organiser une sortie de zone. Il revient derrière son filet. C'est Ouellet là, qui vient l'ennuyer. Bon, Arpin va retenter sa chance. Longue passe surélevée. C'est frappé au vol là, par Lefebvre. Mise en échec de Ouellet. On se bat toujours pour la rondelle. C'est repris finalement par Loranger. Loranger tente de couper au centre, mais c'est raté. C'est repris par Rousseau. Passe devant à Trépanier. Trépanier, malgré sa chute, réussit à renvoyer plus loin. C'est pour Ouellet là, qui vient ennuyer Arpin. Loranger vient l'aider. Et finalement, c'est Prebzold qui reprend. Prebzold pousse devant pour Lae. Là, elle laisse derrière une feinte, un tir et ça l'a frappé le poteau. C'est Dumoulin là, qui est passé bien près de créer l'égalité. Et c'est Ouellet en entrée de zone. On entend le sifflet du juge de ligne. Il y a eu hors-jeu, c'est Loranger qui l'a devancé. Alors, on a repris le jeu, c'est Saint-Michel avec la rondelle. Il dégage à l'aide de la baie vitrée. C'est pour Prebzold là, qui est déjà en territoire ennemi. C'est là que c'était ici maintenant. Passe à Cyr. C'est pour Cédric Kovas-Bellil là, qui a été ennuyé par Saint-Michel. Tir de la ligne bleue de Joseph, mais c'est raté. Rondelle qui vise jusqu'à Saint-Michel dans le coin. Saint-Michel cherche une option de passe. Finalement, un tir avec peu d'angle là, et une chance que Gauthier était prêt. Un tir vite précis, arrêté. Par le portier des lauréats. Et encore une fois, c'est ce fameux trio des rebelles là, qui menace. Saint-Michel pousse plus loin pour Prebzold qui est dans le coin. Derrière le côté, à côté. Et ensuite, c'est un tir sous réception de Saint-Michel qui a raté la cible. On renvoie derrière le filet. Prebzold travaille là, au départ de Lagacé-Tessé qui tente de l'ennuyer. Et c'est Lagacé-Tessé qui a le dessus en remettant à Cyr. Cyr passe à Cédric Kovas-Bellil. Longue remise à Auger qui a été interceptée. Cyr maintenant repousse plus loin. C'est intercepté par Prebzold. Et on renvoie en zone neutre. Couture, la passe bloquée par Cédric Kovas-Bellil. Et c'est Lagacé-Tessier qui va aller chercher la rondelle dans le coin. Il a tenté une passe. Ça l'a servi de feinte finalement. Et Lagacé-Tessier va pouvoir calmer un peu le jeu. Alors,
alors qu'il tente d'organiser une contre-attaque. C'est Cyr avec la rondelle, remise à Auger, mais il était attendu là, par Arpin. On renvoie à Cournoyer. Cournoyer, un tir d'entrée de zone et l'arrêt de la jambière de Gauthier est réussi. On renvoie encore une fois en zone neutre. Arpin tente de pousser plus loin, c'est raté. Rondelle reprise toutefois par Cournoyer. Cournoyer sur le flanc gauche, un tir attrapé par Gauthier. Et on va avoir une mise en jeu chez les lauréats. Mise en jeu remportée du côté des lauréats. On tente une passe, c'est dévié par Beaupré, c'est lui avec la rondelle. Beaupré tente de sortir la rondelle du territoire, mais c'est raté. Un tir ensuite de Lamy, bloqué par Gauthier, rondelle libre, attention là, finalement, on réussit à dégager. C'est Rhodes avec la rondelle, il remet à Beaupré. Beaupré renvoie vers Rhodes, mais c'est trop haut. Dégagement tenté, bloqué du patin par Rousseau. Rousseau avec la rondelle, passe devant, bloqué en défensive, solide mise en échec de Rhodes, mais c'est repris toutefois là par Vézina Fusée. Blanchette donne un coup de bâton. Ça l'a provoqué une chute, là, mais pas de pénalité sur la séquence. Et on entend finalement le sifflet de l'officiel. Il y aura une pénalité. Bâton élevé, c'est le capitaine des rebelles, Hugo Vézina-Fusée, qui sera pénalisé. Bâton trop élevé. Première pénalité du match. Et ce sont les lauréats qui vont pouvoir en profiter avec un avantage numérique. Et on en a parlé dans l'avant-match, c'était une des résolutions là, dont nous a parlé l'entraîneur adjoint Charles-Olivier Cusson en avant-match. Voyons voir si les lauréats vont pouvoir profiter là, de cet avantage numérique pour au moins gagner du momentum en deuxième période. C'est Cyr avec la rondelle. Cyr laisse derrière pour Trépanier, longue passe à Rhodes, repris par Beaupré ensuite. Beaupré. Longue remise pour Loranger. Loranger laisse derrière, mais c'est un manque de communication avec Trépanier. C'est repris là, par les rebelles. Et il y aura une pénalité. Là, on juge que Trépanier a fait trébucher Lefèvre. Et déjà, l'avantage numérique des lauréats est terminé. On va donc avoir 1 minute et 27 secondes de 4 contre 4. Mais c'est le genre de situation qu'on a vu là, assez souvent hier, des pénalités ou des avantages numériques en fait, pardon, qui sont annulés par des pénalités. Bien évidemment, on aurait voulu éviter ça aujourd'hui. Alors, 4 contre 4, c'est parti. Cuevas Belil remet derrière à Cyr. La passe pour Lagacé-Tessier. Et c'est lui là qui décape en zone neutre. Lagacé-Tessier toujours avec la rondelle sur le flanc droit. Tente de contourner Couture. Revient devant avec une passe. Rondelle libre devant le filet. Et finalement, c'est dégagé. Mon travail de Lagacé-Tessier là, qui a monté la rondelle. Finalement, c'est repris par Côté en contre-attaque. Côté tente de remettre un coup de pied. Finalement, c'est repris par Joseph. Joseph devant le filet pour Côté. C'est harponné par Gauthier. Et on entend le sifflet de l'arbitre. Et on va reprendre donc, dans le territoire des lauréats. On envoie Blanchette et Rhodes en attaque là, pour les lauréats sur la glace. Avec 46 secondes à faire à la pénalité décernée à Hugo Vézina-Fusée. Mise en jeu remportée par Rhodes, c'est Blanchette avec la rondelle. Blanchette doit se défaire là, des deux rebelles qui l'ennuient. Rhodes vient l'aider et remet à son défenseur Rousseau. Il remet ensuite à Blanchette, l'auteur du deuxième but des lauréats, passe à Rhodes. Rhodes voulait rejoindre Blanchette, mais c'est raté. Contre-attaque des rebelles maintenant avec Prebzol. Chad Prebzol, toujours avec la rondelle. Une feinte. Revient sur ses pas. Remet derrière ensuite à Arpin. Transversal à Dumoulin. On revient avec Arpin. Un tir, ça l'a frappé la jambe d'Arsenault Roland. Et ça va profiter là au lauréat. Jean revient sur ses pas, doit éviter. Là. C'est Prebzol là, qui était toujours derrière lui. Il remet à Blanchette. Passe à Rhodes. Rhodes, un tir et le but! Nathan Rhodes, c'est 3-1.
encore une fois le duo Blanchette et Rhodes qui refait des siennes. C'est ce duo qui a causé le deuxième but des Lauriers et encore une fois, ce duo qui cause le troisième. Rhodes, cette fois-ci, touche la cible d'un tir parfait. Et c'est 3-1, un but marqué à 4 contre 4. Mission accomplie pour les deux attaquants des Lauriers. Et maintenant, on va devoir se défendre avec un homme en moins pour 30 secondes. Dégagement à tenter. Et ça a été raté à la première fois. Ensuite, on a réussi avec le deuxième essai. Et vous l'entendez, c'est un 14e également cette saison là pour Nathan Rhodes. Dégagement complété pour les Lauriers. Les Rebelles qui vont tenter peut-être d'attaquer avec l'avantage d'un homme. Déjà, la pénalité est terminée toutefois là, à Trépanier. On a quand même un peu de temps avant que Cuevas Belil rejoigne ses coéquipiers en zone défensive. Tir qui rate la cible. Passe devant, ça ne trouve aucun rebelle. Et c'est Gendron maintenant qui appuie l'attaque. Le défenseur remet un coéquipier, passe, tire sur réception ensuite de dégagner, c'est raté. C'est repris ensuite par Vézina Fusée, il remet devant, c'est raté. Et c'est Xavier Cuevas-Belil maintenant avec de la vitesse. Il contourne un défenseur, tire du revers, bloqué par Bernier, qui décide de remettre à Degagné. Degagné lobe le disque. Et finalement, cette rondelle a rejoint les partisans. Alors, on va reprendre le jeu en zone ennemie. En jeu remporté par Degagné. Encore une fois, c'est lui là, qui renvoie la rondelle, cette fois-ci sur le filet protecteur. Alors, prise 3. Et encore une fois, c'est Degagné qui remporte la mise en jeu. Joseph, cette fois-ci, tente un dégagement. C'est bloqué à la ligne bleue par Cyr. Repris par Auger. Cuevas-Belil maintenant passe devant, c'est bloqué. Et finalement, un dégagement encore une fois tenté. C'est Cyr qui intercepte et qui renvoie dans le coin. Cuevas-Belil renvoie plus bas pour Cédric Cuevas-Belil, mais c'est repris là toutefois par Degagné. Longue passe et c'est une échappée pour l'ami. Un tir et ça l'a frappé le poteau. On survit chez les Lauriers. Ça demeure 3-1. Je crois que Gauthier y a touché, ça l'a dévié et ensuite ça l'a frappé le poteau. Bonne chance de marquer pour Charles-Étienne Lamy. Et c'est un défi de taille là, pour les Lauriers de protéger cette avance de deux buts. Je vous rappelle que les Rebelles sont le deuxième en fait dans la Ligue pour les buts pour. Alors bien évidemment, il va falloir faire attention. Lefebvre remet devant, ou plutôt au centre, c'est intercepté par Beaupré. Il envoie pour Blanchette, qui n'a pu contrôler la passe, et c'est un dégagement refusé. Donc on va retourner dans le territoire des Lauriers. En jeu remporté par les Rebelles, mais toutefois, les Lauriers reprennent la rondelle. On dégage et c'est Blanchette là, qui va tenter de gagner sa course. Non, c'est raté, c'est un dégagement refusé. Encore une fois, c'est Rhodes qui remporte la mise en jeu. Un autre dégagement. Cette fois-ci, c'est réussi. Il ne sera pas refusé. C'est Couture avec la rondelle. Couture remet devant. On passe au centre ensuite à côté. Dans le même côté, un tir, c'est trop haut. Et c'est repris par Rhodes. Derrière le filet, il tente de remettre à Beaupré. C'est intercepté par Saint-Michel. Passe devant. C'est dévié par Gauthier.
Chad Prebzel reprend la rondelle, remet à Saint-Michel. Derrière ça, Joseph. Un tir dévié par Rhodes sur le filet protecteur. Et on va avoir une mise en jeu là. À la gauche, d'Esteban Gauthier. Mise en jeu remportée par Morin. Tir du Moulin, finalement, c'était plutôt un tir-passe à la bande. Ça a rejoint Gauthier, qui force la tenue de deuxième mise en jeu là, dans son territoire. Mise en jeu remportée par Morin. Un tir de Dumoulin, ça l'a dévié hors cible. Passe devant, c'est intercepté. C'est Arsenault Roland maintenant derrière le filet. Il renvoie à Cournoyer. Cournoyer, en se retournant, tente une passe, c'est raté. C'est Ouellet qui reprend. Il pousse plus loin, mais Harpin, ensuite, renvoie le disque dans le territoire des Lauréats. Charpentier réussit à se défaire d'un rebelle. Loranger maintenant avec la rondelle. Loranger tente de se défaire des deux rebelles là, qui tentent de lui soutirer la rondelle. Finalement, il reçoit de l'aide de Trépanier. Et finalement, c'est Ouellet qui reprend. Ouellet, un tir, ça glisse à la gauche du filet. Loranger remet à Breton. Breton renvoie plus loin. C'est Dumoulin avec la rondelle. Une passe, c'est raté. Et c'est repris là par Guénette. Dégagement des rebelles. La rondelle glisse jusque dans le fond du territoire. Des Lauréats, c'est un dégagement refusé. Donc, avec 8 minutes exactement à faire à la deuxième période, on va reprendre le jeu dans le territoire des rebelles. C'est Morinbert qui vient appuyer son centre. Un tir, retour de Guénette, un troisième et Bernier réussit les arrêts. La rondelle glisse jusqu'à Cyr. Cyr renvoie à Lagacé-Tessier. Lagacé-Tessier recule jusqu'à sa ligne bleue, cherche un angle de tir. Il a décoché, mais ça a été bloqué par Cournoyer. On envoie Morinbert derrière le filet. Il envoie devant et la rondelle est immobilisée là, par Bernier. Et encore une fois, là, c'est Loïc Ashby qui tente d'embêter ses adversaires après le sifflet. Et avec une mise en jeu à territoire offensif, on envoie le trio des deux frères Kovas Bellil et de Jacob Auger. Et c'est Xavier Kovas Bellil qui remporte la mise en jeu. On envoie à Lagacé-Tessier. Passe surélevé pour Cyr, c'est réussi. Un tir bloqué, là, toutefois, défensif par Vézina Fusé. Il lobe le disque en zone neutre, c'est intercepté par Cyr. Cyr à l'aide de la rampe remet à Xavier Kovas-Bellil. La passe, c'était pour Cédric Kovas-Bellil, mais c'était trop haut. La rondelle là, qui a dévié sur un bâton d'un adversaire. Auger avec la rondelle, il remet à la Lagacé-Tessier. Un tir de la ligne bleue bloqué par Bernier et il immobilise le disque. Alors, encore une fois, ce sera une mise en jeu là, chez les rebelles. Et on va procéder à des changements du côté des deux équipes. Et Trépanier va affronter Donovan Côté. C'est remporté par Trépanier. Loranger, immédiatement un tir, c'est dévié par Ouellet. Mais la rondelle, tout de même, là, passe à gauche du filet. Jean appuie l'attaque. Mika Jean remet vers Rousseau, mais la rondelle quitte le territoire. Et Rousseau se contente là de remettre ensuite à Trépanier. Trépanier renvoie jusqu'à derrière le filet. C'est Couture qui tente de pousser plus loin, mais Loranger vient lui enlever la rondelle. Passe devant. Ouellet est seul devant le filet. Un tir du revers bloqué par Bernier. Et là, on va se chamailler un peu là, après le filet. Ouellet qui s'est fait insistant là, devant Bernier. Bonne chance de marquer là, pour le trio de Trépanier, Ouellet et Loranger. Et les rebelles là, qui ont oublié Ouellet devant le filet, il était seul. Et malheureusement, il ne veut pas capitaliser sur cette chance en or.
on va reprendre le jeu avec 6 minutes 44 à faire en deuxième. Mise en jeu remportée par Côté. On tente un dégagement, mais c'est raté. Et Trépanier renvoie jusque derrière le filet. Ouellet passe à Trépanier qui a tenté un tir sur réception, mais il n'a pas pu décocher un tir. Là, il a été gêné par un ennemi. Tir de Saint-Michel bloqué par Gauthier. Et la rondelle qui glisse jusque l'autre côté de la zone. C'est l'Oranger maintenant avec la rondelle. L'Oranger, longue passe à la dévier là, sur un rebelle. Et la rondelle se retrouve maintenant dans le fond du territoire de l'équipe de Sorel Tracy. C'est Harpin. Il envoie plus loin. C'est repris par Lagacé-Tessier. Remise à Mika Jean. Longue passe ensuite. C'était pour l'Oranger, mais l'Oranger n'a pas touché à cette rondelle. C'est donc un dégagement refusé au lauréat. Rapporté par les rebelles et Gauthier saute sur la rondelle suite à un tir pour immobiliser le disque. Ça va permettre quelques changements là pour les lauréats suite à un dégagement refusé. Mise en jeu leur rapportée du côté des lauréats. Longue passe tentée, c'est raté. Ça revient tout de même à Blanchette. Passe pour Nathan Rhodes. Rhodes de l'autre côté pour Beaupré. Beaupré, un tir, c'est trop haut. Et la rondelle glisse jusqu'à Blanchette. Blanchette renvoie vers Rhodes le long de la rampe. Rhodes tente de faire glisser pour Beaupré, c'est raté. La rondelle revient toutefois vers Kevin-André Blanchette. C'est lui avec la rondelle. Blanchette, une belle feinte. Une autre, il tente un tir, mais le tir n'est pas venu. Mais tout de même, cet effort de Blanchette va causer une pénalité là, des rebelles. Bon travail de Blanchette qui a feinté le tir. Ça lui a donné l'espace nécessaire pour avancer vers le filet. Et c'est Lael qui sera puni du côté des rebelles. On en va Auger, Jean, Ouellet, Blanchette et Cuevas-Bellil sur la glace pour l'avantage numérique. Immédiatement, Ouellet, un tir là après la mise en jeu. On se bat pour la rondelle dans le coin. Ouellet aidé par Jean et Cuevas-Bellil. Finalement, c'est Jean avec la rondelle passe pour Auger, mais Auger n'a pas pu maîtriser cette passe. On est forcé de revenir dans notre territoire. Kevin-André Blanchette tente de gagner en vitesse là, dans son territoire. Toujours lui avec la rondelle en entrée de zone. Contourne les défenseurs, remet devant Ouellet. Ouellet, un tir bloqué par Bernier. Et le dégagement sera-t-il réussi? Oui, la rondelle quitte le territoire. Il s'est repris par Mika Jean. Jean, une feinte au dépens d'Arsenault Roland, il pousse plus loin. Et finalement, on réussit encore à dégager là, du côté des rebelles. 1 minute, 12 secondes à faire à la pénalité. Dégagement de Gauthier, ça a été bloqué par Vézina Fusé. Vézina Fusé contourne le filet. Tente une feinte au dépens de Jean, finalement il renvoie de l'autre côté. Et c'est repris là ensuite par Lamy. Sa passe est ratée toutefois, c'est Mika Jean. Il remet à Xavier Cuevas-Bellil. Cuevas-Bellil laisse derrière à Ouellet. Ouellet réussit à se défaire là, de Lamy qui attendait de le mettre en échec. Il laisse derrière à Beaupré. Beaupré, remise pour Cyr. Cyr, patiente, remet ensuite à Beaupré à la ligne bleue. Beaupré de retour à Cyr. Cyr s'avance, un tir, c'est raté. Et c'est Auger qui reprend. Auger encaisse la mise en échec. Laisse derrière, on remet ensuite à Ouellet. C'est Cyr qui s'avance maintenant jusque derrière le filet. Il envoie à Beaupré. Beaupré sur la droite à Cyr. Ensuite, c'est pour l'Oranger, mais c'est dans les patins. C'est Ouellet maintenant qui reprend. 12 secondes à faire à la pénalité. Beaupré à Cyr. Permutation avec Beaupré. Cyr glisse au centre. Passe dans le coin à Cuevas-Bellil. Un tir d'un engraisserait là et c'est bloqué par Bernier. On a quand même réussi à bien s'installer en territoire ennemi du côté des lauréats. Et c'est Xavier Cuevas-Bellil qui a profité de la dernière chance de marquer. Donc, 3 secondes à faire là, à la pénalité de la haie. Mise en jeu remportée par Trépanier. Beaupré laisse à Cyr. Un tir bloqué par Bernier qui force l'arrêt de jeu.
les enjeux remportés par Saint-Michel. C'est Couture avec la rondelle et il va aller derrière son filet là. Le temps de laisser ses joueurs s'organiser un peu. La passe est Saint-Michel. Saint-Michel, un tir, c'est raté. Et c'est Cyr là, qui reprend derrière le filet. Il remet à l'Oranger. L'Oranger devant, c'est pour Beaupré qui fait dévier. Et c'est tout de même là, un dégagement refusé. Beaupré n'avait pas encore traversé la ligne rouge là, avant de faire dévier cette rondelle. Donc, mise en jeu dans le territoire des lauréats. Trépanier face à Saint-Michel. C'est remporté par Trépanier. Dégagement tenté par Lagacé-Tessier. C'est bloqué par Prebzol. Mais Trépanier réussit à reprendre la rondelle ensuite. Longue remise à Beaupré. Beaupré de l'autre côté à l'Oranger. L'Oranger tenté de remettre à Cyr. C'est raté. Rondelle libre. Tir de Cyr arrêté de la jambière par Bernier. Et là maintenant, ce sont les rebelles en contre-attaque. Saint-Michel passe à côté. Côté chute. Remet à Prebzol. Un tir bloqué par Lagacé-Tessier devant le filet. Et c'est repris par l'Oranger. Passe à Trépanier. Trépanier, lobe le disque à Lagacé-Tessier. Le défenseur tente de remettre devant. C'est intercepté là, par Gendron. Gendron envoie à Saint-Michel. Saint-Michel passe à Prebzol. Chad Prebzol. Un tir, c'est bloqué par Rousseau en défensive. Et Gauthier plonge sur la rondelle. Et ça va forcer l'arrêt de jeu. Procéder à quelques changements. Et on a remarqué là, que Trépanier, l'Oranger et Beaupré étaient sur la glace ensemble. Donc on a soutiré Ouellet de ce trio-là, ce trio qui était ensemble depuis le début de la rencontre. Ce sera à surveiller là, en fait. Peut-être que Doyon là, voulait brasser ses cartes un peu, on va voir. C'est Morin-Bert là, pour l'instant avec la rondelle. Il pousse plus loin, c'est intercepté par Gendron. Gendron renvoie le 10 plus loin, intercepté par Breton. Alors qu'on tente de reprendre la rondelle, c'est Breton avec la rondelle. Charpentier, en fait, là, qui a réussi plusieurs feintes pour conserver le 10. Bien joué, passe à Morin-Bert. Morin-Bert devant le filet, c'était un peu trop haut là, pour Ashby. On remet ensuite à Arsenault-Roland. Un tir attrapé par Gauthier. Et le jeu n'ira pas plus loin que ça. Plus qu'une minute 38 à faire à la période médiane. Les enjeux remportés du côté des rebelles. La rondelle glisse jusqu'à Gauthier qui harponne la rondelle et ça se rend jusqu'à Auger. Cédric Kovacs-Bellil maintenant fait circuler la rondelle. Ça se rend jusqu'à Auger sur le côté droit. Il renvoie à Xavier Kovacs-Bellil, mais il perd la rondelle et c'est Dumoulin qui dégage. C'est intercepté par Jean. Un tir, ça l'a frappé Auger, mais Auger réussit là à conserver cette rondelle. Il laisse derrière Amika Jean. Jean, une feinte, un tir, ça l'a frappé l'extérieur du filet. C'est Cédric Kovacs-Bellil qui travaille dans le coin. Il remet derrière à Jean. Feinte de tir, contourne un adversaire, passe à Rousseau ensuite. Rousseau remise à Auger. Sur réception, un tir s'est arrêté par Bernier. Une minute à faire à la période. On remet à Kovacs-Bellil qui pousse plus loin, mais c'est repris là, par l'ami. Passe ratée, interceptée par Auger. Bonne présence là, pour le trio des lauréats. La rondelle glisse. C'est Rousseau qui va intervenir. Là. D'une main, il envoie plus loin là, dans le coin. Finalement, c'est repris par les rebelles. Voici des gagnés pour l'ami qui harponne cette rondelle un peu plus loin. C'est raté. Oh, les rebelles vont devoir reprendre là, cette entrée de zone. C'est Jean qui doit faire vite. Il passe à Rousseau. 23 secondes à faire. Passe raté toutefois là. Et c'est repris par Vézina Fusée. Remise à l'ami. Il patiente. Un tir. L'arrêt de Gauthier. Arrêt très important d'Esteban Gauthier en fin de deuxième période. Il s'est étendu de tout son long sur la glace. Et c'était assez là. Pour frustrer Charles-Étienne Lamy. Plus que 14 secondes à la deuxième période. On reprend à la gauche de Stéphane Gauthier.
mise en jeu là, remportée du côté des Rebelles. C'est la GCTC qui a tenté un dégagement, c'est raté. Un tir ensuite qui est hors cible. C'est Ouellet maintenant avec la rondelle, il remet à l'oranger. Voilà là, ce trio qui est réuni. Le dégagement qui met fin à la deuxième période. Excellente période médiane pour les lauréats. On a marqué deux buts. Un but de Kevin André Blanchette et un peu plus tard, un but de Nathan Rhodes. Les deux sur d'excellents tirs. Alors voilà, les lauréats retraitent au vestiaire avec une avance de deux buts. On sera de retour pour la troisième période alors que les lauréats vont tenter de protéger cette avance face aux Rebelles. À plus.
on est prêt pour le début de la toute dernière période de cette rencontre. Les Lorrains devront survivre les 20 prochaines minutes. Ils ont une avance de 2 buts à protéger face à la deuxième meilleure attaque de la Ligue. Voyons voir s'ils en seront capables alors que le jeu est reparti. C'est Justin Rousseau avec la rondelle. Passe pour Jean. Au centre, c'est vers Rhodes. Rhodes, ça passe à Deville sur les patins d'Arsenault Roland. Et voilà ce disque qui est lobé jusque dans le territoire des Lorrains. Jean doit faire vite. Attention au revirement. Là. C'est une feinte, un tir et le but! Un but tôt en troisième période. Et c'est l'emprun là qui marque pour les rebelles. Entre les jambes de Gauthier. Et cette rondelle sautillante qui a fait son chemin jusque dans le territoire des Lorrains. Et l'emprun qui saute sur l'occasion. Et je vais me corriger, les Lorrains ont maintenant un peu moins de 20 minutes à survivre, mais seulement une avance d'un but là. À protéger. Attention, les rebelles s'approchent. Un dégagement. Immédiatement, c'est Gauthier qui fait circuler. Saint-Michel intercepte. Renvoie dans le coin. C'est Côté. Gêné là par Cyr. On envoie plus loin. Fin de tir. C'est Saint-Michel qui envoie devant le filet. Bloqué par la cassette Essier. On tente de sortir la rondelle du territoire. C'est Trépanier finalement qui réussit. Ouellet pousse plus loin. C'est attrapé là, par un défenseur adverse. Côté envoie vers Prebzol. Prebzol devant pour Saint-Michel. En se retournant, un tir. Et c'est hors cible. Rondelle libre dans le coin. C'est Cyr qui l'envoie en zone neutre. Dumoulin envoie là pour Saint-Michel qui a tenté de frapper la rondelle au vol, mais c'est raté. Et l'agressé Tessier dégage le territoire. Dumoulin reprend. Un dégagement ensuite de Harpin. C'est la cassette ici maintenant avec la rondelle. Il envoie à Cyr. Cyr, longue passe pour Loranger. Loranger revient sur ses pas. Envoie l'homme de la bande pour Trépanier. Trépanier va dégager. Et voilà les rebelles maintenant en contre-attaque. Longue passe de Dumoulin, déviée par Dégagné. Et c'est Charpentier là, avec la rondelle derrière le filet. Il envoie derrière à Breton, qui envoie ensuite à Auger. Auger laisse pour Xavier Covas-Bellil. Covas-Bellil pour Cédric Covas-Bellil. Passe devant, c'était pour Breton qui appuie l'attaque. Ça revient à Cédric Covas-Bellil. Un tir, c'est hors cible. Et la rondelle quitte le territoire des rebelles. Passe ratée, l'attention. Un tir de l'ami qui dévie hors cible. Sur le filet protecteur, on va reprendre dans le territoire des Lorrains. En jeu, là, remporté du côté des rebelles. Un tir immédiatement de l'emprunt. C'est lui qui a marqué le deuxième but, je vous le rappelle, des rebelles. Rousseau avec la rondelle. Dégage et c'est Cédric Covas-Bellil à la poursuite du disque. Il est aidé par Auger. Auger, un tir arrêté par Bernier. Jean s'avance. Un autre tir, ça l'a dévié. C'est passé bien près de tromper la vigilance de Bernier qui s'était complètement déporté à sa gauche. Contre-attaque des rebelles. Lamy, un tir de loin. C'est hors cible, ça se transforme en passe pour l'emprunt qui ne peut prendre la rondelle et c'est Xavier Covas-Bellil maintenant avec le disque. Il envoie dans le coin et il va aller lui-même là, à la poursuite de cette rondelle. La rondelle toutefois, ah non, je pensais qu'elle allait quitter là, la glace, passer au-dessus de la baie vitrée. Finalement non, c'est Auger qui reprend. Un tir de loin, ça sert de dégagement. On va pouvoir procéder à des changements. Ashby en échec avant, aidé par Guénette là, qui s'avance. C'est Arsenault Roland qui dégage et son dégagement là est bloqué. Partir. On reprend avec Lagacé Tessier qui envoie plus loin. Bernier là, va jouer cette rondelle derrière son filet. On tente un dégagement, c'est raté, mais c'est repris par Prebzol qui se contente là, de sortir la rondelle de son territoire. Lagacé Tessier à son tour envoie cette rondelle profondément en territoire adverse. Sortie de zone des rebelles, c'est réussi là, c'est Prebzol avec la rondelle. Prebzol freine, cherche un coéquipier, tente une passe, mais c'est intercepté là. Par Ashby. Saint-Michel reprend pour les siens. Donovan Côté passe à Chad Prebzol. Prebzol tente de se défaire de Morinbert qui chute là, attention. Rondelle toujours prise le long de la rampe. Et Cyr le renvoie vers la cassette Essier. Xavier la cassette Essier lobe cette rondelle jusqu'en zone neutre et c'est Morinbert qui va aller chercher la rondelle. Morinbert freine,
encaisse une mise en échec. Toujours Morinbert avec la rondelle. Passe pour Trépanier, qui remet derrière à son défenseur, Charpentier. Longue passe ensuite de Breton jusqu'à Ouellet. N'a pas touché à la rondelle, c'est dommage. Et ce sera un dégagement refusé au lauréat. Suite à la mise en jeu, là, c'est l'oranger avec la rondelle. Tente de pousser plus loin, c'est raté. Joseph passe à Dégagné. Dégagné devant, c'est intercepté là, par Trépanier. Toujours Trépanier avec la rondelle. Il pousse plus loin pour lui-même, il a beaucoup de vitesse. Tente de remettre devant le filet, c'est raté. C'est l'oranger qui vient l'appuyer dans le coin. Vézina fusé. Une feinte et ça se transforme en passe pour Couture. C'est Rémi Couture, passe à Vézina Fusé. Il laisse pour Dégagné, qui se contente d'un tir facilement capté par Gauthier. Et encore une fois, c'est un arrêt de jeu dans le territoire des lauréats. Mise en jeu remportée par Cournoyer, mais immédiatement la rondelle se retrouve derrière le filet. C'est Jean qui tente un dégagement. Elle s'est bloquée par Dumoulin à la ligne bleue. Jean avec la rondelle. Tente une passe, c'est raté. Rousseau vient l'appuyer finalement. Il remet à Beaupré. Beaupré passe pour Blanchette. La rondelle finalement glisse plus loin. Dégagement réussi des rebelles. Rousseau avec la rondelle. Remet à Rhodes. À Jean ensuite. Jean passe pour Beaupré. Beaupré tente une feinte, c'est raté. Blanchette vient l'aider. Ça, c'est une passe pour Jean là, qui a tenté de remettre plus loin, mais c'est raté. Un tir capté par Gauthier. Et on aura droit à une autre mise en jeu là, dans le territoire des lauréats. Et on l'a vu à plusieurs reprises dans cette rencontre. Alors qu'on voit le trio de côté, Saint-Michel et Prebzo sur la glace. Gabriel Doyon envoie là, Trépanier, Loranger et Ouellet pour contrer le premier trio des rebelles. Ouellet envoie cette rondelle plus loin là, dans le territoire des rebelles. Qui vont tenter là, d'organiser une sortie de zone. Longue passe jusqu'à Prebzol. Prebzol de l'autre côté, c'est pour Saint-Michel. Saint-Michel laisse derrière à côté, qui lui remet le disque. On s'échange la rondelle entre les deux joueurs là, des rebelles. Joseph à côté. Côté pour Saint-Michel. Sur réception, un tir arrêté par Gauthier. Joseph maintenant passe à côté. Côté du revers, renvoie la rondelle en fond de territoire ennemi. La GCTC fait glisser, mais ce sera intercepté là, par côté du patin. Côté laisse derrière à son défenseur Couture. Rémi Couture passe pour Chad Prebzol. Et la rondelle glisse jusqu'au bâton de Gauthier, mais son dégagement a été bloqué au vol par côté. Prebzol maintenant tente une passe, c'est raté. Un tir ensuite et le but! L'égalité créée en troisième période par Chad Prebzol. Et au premier essai, il a tenté une passe pour Lampron qui s'était placé devant le filet. Cette passe a été bloquée, ensuite un tir et ça l'a surpris Gauthier. Un tir bas, mais précis. Et l'égalité est créée. 3 à 3. Et Gabriel Doyon va demander un temps d'arrêt. Avec 13 minutes et 30 secondes à faire en troisième période. On va tenter là, de regagner le momentum, de regagner le contrôle du match. On avait une avance de 2 buts en arrivant pour la troisième période. Et voilà que tout est à refaire. On est à la case départ. C'est 3 à 3. Et on l'avait mentionné justement en début de période à quel point ce serait une tâche difficile d'arrêter les rebelles, de les empêcher de revenir dans ce match. Et les voilà là qui ont réussi leur mission de créer l'égalité. Alors, le jeu va reprendre.
On envoie le trio des deux Cuevas Belil et de Jacob Auger sur la glace. C'est Jean avec la rondelle. Il remet à Rousseau. Longue passe à Auger. Du patin, il fait dévier, mais c'est raté. Joseph renvoie et c'est arrêté par Gauthier. Gauthier laisse pour son défenseur Justin Rousseau. Rousseau s'avance. Passe jusqu'à Auger qui fait dévier pour Cuevas Belil. Cédric Cuevas Belil du revers remet pour son frère là, mais c'est raté. Et c'est Arsenault Roland maintenant avec la rondelle. Arsenault Roland qui accélère. Une fête au dépens de Jean. Un tir sur réception. Et c'est l'arrêt de Gauthier. Passe devant pour Auger maintenant. Auger freine, remet derrière à Cyr. Cyr s'avance. Un tir, c'est arrêté par Bernier. Avec 12 minutes 41 secondes à faire, on va reprendre dans le territoire des rebelles. C'est Rhodes là au cercle des mises en jeu pour les lauréats. Et c'est l'ami avec la rondelle, passe au centre pour Vézina Fusée. Un tir, ça rate la cible. Le tir là a été dévié. C'est Arpin qui renvoie dans le coin. C'est plutôt l'ami, pardon, là, qui se porte à l'attaque. En échec avant. Dégagement tenté par les lauréats. C'est réussi. Rose qui renverse le défenseur, mais c'est repris là ensuite par le capitaine des rebelles, Hugo Vézina-Fusée. Mais Beaupré vient de soutirer la rondelle. Revirement en zone offensive en faveur des lauréats. C'est Blanchette avec la rondelle. Et il vient de recevoir une mise en échec percutante. Rondelle libre. Beaupré la renvoie plus loin. Mais c'est Blanchette maintenant en échec avant. Gendron avec la rondelle tente de dégager le territoire, mais Rhodes l'empêche de faire ainsi. Dégagement ensuite réussi par les rebelles, ça se rend jusqu'à Lagacé-Tessier. Cessir maintenant passe à Lagacé-Tessier. On remet à Blanchette, il fait dévier pour Beaupré. Beaupré remet ensuite à Rhodes. Rhodes pousse plus loin. C'est Breton là qui s'avance. Breton, à son tour, va pousser derrière le filet, mais c'est repris par Gendron. Gendron, à l'aide de la baie vitrée, envoie le disque jusque dans le fond du territoire des lauréats. Ce sera un dégagement refusé. On envoie le trio de Trépanier, Loranger et Ouellette pour cette mise en jeu en territoire offensif. Mise en jeu toutefois remportée par les rebelles. Tir immédiatement là, arrêté par Bernier. Rondelle libre, attention, c'est Loranger avec la rondelle. Loranger, un tir bloqué par Bernier. Et on va avoir droit en fait, là, à une deuxième mise en jeu dans le territoire des rebelles qui envoient là, eux, leur trio composé de Saint-Michel, de Chad Prebzel, l'auteur du dernier but des rebelles, ainsi que de Donovan Côté. Mise en jeu remportée par Trépanier. La rondelle glisse devant le filet, mais ce sont les rebelles là, qui la dégagent. Prebzel maintenant en entrée de zone. Passe sur le côté pour Saint-Michel. Du revers, il envoie vers Prebzel. Mais la rondelle finalement glisse jusqu'à Trépanier. Trépanier immédiatement fait glisser cette rondelle jusque derrière le filet. Bernier envoie jusqu'à la ligne bleue. Rondelle déviée. Intervention de Charpentier. Tir de Ouellette. Ensuite Trépanier, mais il a raté la cible. Bonne chance là pour Edouard Trépanier. La rondelle glisse ensuite jusqu'à Justin Rousseau. Rousseau remet à Charpentier. Charpentier envoie plus loin, mais c'est intercepté là par Côté qui remet à Saint-Michel. Saint-Michel laisse derrière. Un tir ensuite dévié par Côté. Et la rondelle a passé bien près là, de déjouer Gauthier. C'est Saint-Michel maintenant avec la rondelle. Passe, un tir ensuite, c'est bloqué par Esteban Gauthier. On remet à Prebzel. Prebzel de l'autre côté pour Saint-Michel. Saint-Michel derrière à Prebzel. Prebzel envoie son défenseur Joseph. Un tir
à droite du filet. Rondelle libre, dégagement. Ça a été bloqué là, par Prebzol. La rondelle demeure dans le territoire des Lauriers qui sont embouteillés. Là. Prebzol, une fin transversale et le but! Qui d'autre que Léo Saint-Michel pour donner l'avance aux rebelles de Sorel-Tracy? Et disons que ce n'est pas le genre de joueur qu'on peut laisser fin seul devant le filet. En voilà le résultat, les rebelles prennent l'avance. Un troisième but en troisième période. Et on a un match complètement différent que celui qu'on avait en début de troisième. C'est Prebzol là, qui a fait cette remise à Saint-Michel. Et Gauthier là, ne pouvait rien faire. Là. Alors, c'est 4-3 maintenant pour les rebelles. Qui sont maintenant là dans le siège conducteur. Dégagement tenté, c'est raté. Et c'est repris par Morin. Morin laisse derrière un tir tenté par Lampron, c'est raté. HB ensuite le bleu disque. Interception de Lampron, un tir et le but! Un autre but des rebelles, c'est Lampron cette fois-ci qui marque. Et c'est un peu comme on a vu hier, là, en troisième période, la chaîne qui débarque pour les lauréats. On avait l'avance et là, on perd maintenant par deux buts en troisième période. Et Gabriel Doyon va tenter de fouetter ses troupes avec un changement de gardien. C'est Loïc Potvin maintenant qui sera le gardien des lauréats. Et les lauréats auront 9 minutes et 27 secondes pour revenir dans ce match. Et quelle période, là, quelle troisième période des rebelles. 4 buts en environ 10 minutes. Et l'attaque qu'on attend parler là, en avant-match, eh bien, elle se présente en troisième période. Et c'est elle qui fait la différence. Passe à Cuevas-Bellil, sa déviation est ratée. C'est repris par Lagacé-Tessier. Lagacé-Tessier passe pour Cédric Cuevas-Bellil. De l'autre côté, vers Auger, c'est raté. Mais il est aidé tout de même là, par Xavier Cuevas-Bellil. Passe devant pour Auger, du revers, un tir, c'est passé proche. Le retour, quel arrêt de Bernier! Qui a frustré Xavier Cuevas-Bellil. Lagacé-Tessier tente de se défaire d'un ennemi alors qu'on se bat pour le contrôle de la rondelle le long de la bande. Il y a 4 lauréats, 3 rebelles. Voilà, la rondelle sort. Et c'est Cyr maintenant avec la rondelle dans son propre territoire. Passe surélevée pour Lagacé-Tessier. Lagacé-Tessier remet à Cyr. Cyr passe pour Cuevas-Bellil. Immédiatement, il remet vers son frère, Cédric Cuevas-Bellil, avec la rondelle, une feinte. Mais immédiatement, il est rejoint, là. Solide mise en échec dans le coin. Une autre. On tente de passer devant. Cuevas-Bellil passe. C'était pour Auger, mais c'est raté. Jean s'avance. Permet au Lorrain de demeurer en territoire offensif. Sortie zone des rebelles. Toutefois, là, c'est Vézina Fusé avec la rondelle. 8 minutes à faire au match. Vézina Fusé, un tir fait, mais ça l'a frappé, le poteau. C'est Blanchette maintenant. Un dégagement. Ça se rend jusqu'à Beaupré. Rhodes maintenant s'avance. Rhodes contourne le filet. Tente une passe. Ça ne trouve aucun lauréat et la rondelle va glisser jusque dans la zone neutre. Et Jean se fait surprendre là, par Vézina Fusé qui immédiatement là, se porte à l'attaque. Passe ratée. C'est repris par Lamy. Mise en échec. De Mika Jean. Rondelle dans le filet. Le tir est trop haut. Et c'est Jean ensuite. Passe vers Blanchette, c'est raté. Rhodes intervient ensuite et remet à Beaupré. Beaupré passe pour Blanchette, c'est raté. C'est repris toutefois par Beaupré, le pardon, qui a été mis en échec. Et Couture reprend la rondelle avec une passe pour Degagné. Degagné remet à Lamy. C'est Saint-Michel maintenant à la poursuite de Lagacé-Tessier. Lagacé-Tessier remet sur le côté à Blanchette. Blanchette s'avance, remet à Beaupré. Beaupré, une fête, un tir arrêté par Bernier. C'est Saint-Michel maintenant qui s'avance. Saint-Michel, un tir arrêté par Potvin.
qui immobilise le disque. Et tout de même, là, les rebelles auront à remercier leur gardien Félix Bernier là, qui effectue des arrêts importants là, en troisième période. Quand même, les Lorrains obtiennent des bonnes chances de marquer. C'est Beaupré là, qui a menacé en dernier. Alors, Trépanier face à Saint-Michel. C'est remporté par Trépanier. Le dégagement de la cassette ici ensuite. C'est Laurentier avec la rondelle. Il envoie vers Ouellette. C'est raté. Arpin ensuite. Le dégagement, c'est repris par Prebzol. Prebzol remet à Saint-Michel. Saint-Michel a de l'espace. Un tir arrêté par Potvin. Rondelle libre. Le dégagement ensuite de tir est réussi, mais ce sera un dégagement refusé. Et le tir là, de Saint-Michel n'a pas été complètement maîtrisé par Potvin. Il a fallu faire vite là, pour dégager la rondelle. Mise en jeu remportée par Trépanier. On lobe le disque jusqu'en zone neutre. Ça tombe tout juste devant l'oranger. Mais c'est repris là par Gendron. Gendron pousse plus loin. C'est Lampron là, qui a reçu une mise en échec là, de la Gacet-Essier. C'est Cyr avec la rondelle maintenant. Cyr remet à la Gacet-Essier. Longue passe qui se range jusqu'à Trépanier, mais Trépanier là, n'a pas pu contrôler la passe. Et c'est repris du côté des rebelles. Arsenault Roland, d'une main, tente de pousser plus loin, c'est raté. Ouellette tente une passe, c'est raté. Tire immédiatement, là, gratte la cible. C'est Morin qui a effectué ce tir. Rhodes reprend pour les Lorrains. Il fait circuler la rondelle. C'est intercepté par Gendron qui renvoie la rondelle vers Arsenault Roland derrière le filet. Morin vient l'appuyer, remet devant, mais Rhodes intercepte. Rhodes toujours avec la rondelle en entrée de zone. Tente une feinte, c'est raté, là. Et c'est repris par Vézina Fusée. La passe pour Lamy. Lamy perd le contrôle de la rondelle. Et c'est Rhodes qui reprend. Sa feinte est ratée, mais la rondelle avait quitté le territoire. Alors, on siffle hors-jeu. 5 minutes, 13 secondes à faire au match. C'est remporté par Rhodes. Breton remet à Rousseau. Rousseau, c'était pour Blanchette, mais c'est raté. Et Couture, son dégagement, là, est allé directement au banc des siens. Ça aurait pu être dangereux là, pour ses coéquipiers ou ses entraîneurs, au moins, plus peur que de mal. On va reprendre en zone neutre. Mise en jeu remportée par Vézina Fusée. C'est lui, là, avec la rondelle. Il pousse plus loin. Course pour la rondelle, c'est Breton là, qui va tenter de devancer son adversaire. C'est réussi. Il encaisse la mise en échec. Il remet à Blanchette ensuite. Breton passe à Rousseau. Rousseau pour Beaupré ensuite. Beaupré, longue passe. Ça se range jusqu'à Blanchette. Il tente une feinte, mais c'est raté. Voici Cyr maintenant avec la rondelle. Il passe à Jean. Jean au centre pour Nathan Rhodes. Rhodes en entrée de zone. Remet au centre à Cyr. Cyr passe le tir de Beaupré. C'est raté. Bonne chance pour les Lorrains. Mais malheureusement, là, la rondelle glisse jusque dans le territoire des Lorrains. C'est Mika Jean avec la rondelle. Jean passe à Kovacs-Bélil. Il tente une feinte, mais c'est raté. Passe au centre. Intercepté. Là, heureusement pour les Lorrains, c'est Auger maintenant avec la rondelle. Auger remet à Cédric Kovacs-Bélil. Il laisse derrière à son frère. Passe devant. Ça frappe le bâton de Félix Bernier. Passe pour Cyr. Cyr, un tir dévié par Kovacs-Bélil. Ça revient à Jean. Il s'avance. Un tir bloqué en défensive. Le retour, ça passe tout juste à droite du filet. Un tir d'Auger ensuite. Bloqué en défensive encore une fois. Mika Jean s'avance et le dégagement des rebelles est complété. Et Potvin va devoir jouer cette rondelle alors qu'il n'y avait aucun défenseur des Lorrains pour récupérer la rondelle. Prebzol maintenant avec le disque. Prebzol derrière le filet pour Saint-Michel. Saint-Michel laisse à son défenseur Couture. Couture, un tir, c'est raté. Et c'est Côté maintenant avec la rondelle. Il laisse pour Prebzol dans le coin. Renvoie à Couture. Couture fait circuler. La rondelle va glisser jusqu'à Cédric Kovacs-Bélil. Kovacs-Bélil devant pour Auger, c'est raté. Passe interceptée toutefois par contre là.
par Xavier Covas-Bellil. Auger remet derrière à Rousseau. 3 minutes à faire. Rousseau, un tir, ça dévie. Mais l'arrêt de Bernier. Il s'est repris ensuite par Lampron. Lampron au centre pour Prebzold. Prebzold tente de contourner Rousseau, mais se contente finalement là, d'un dégagement en fin de présence. Lagacé-Tessier remet à Rousseau. Passe devant Auger, mais Auger ne peut maîtriser la passe. Auger toutefois réussit à intercepter la remise du défenseur adverse et la rondelle est maintenant dans le territoire des rebelles. Arsenault Roland essuie une mise en échec. Un tir tenté ensuite par les Lauréats, c'est Loranger là, qui s'est essayé. On soutire le gardien, mais ce sont les rebelles avec la rondelle. Attention, le dégagement contrôlé par Blanchette. Il y a un filet désert derrière lui, on joue à 6 contre 5. Trépanier s'avance. Tente de contourner un adversaire. Il remet devant, c'était pour Ouellette, qui n'a pas pu tirer malheureusement. 2 minutes à faire maintenant. Les Lauréats qui tentent le tout pour le tout, avec un retard de 2 buts. Tir de Breton, c'est raté, ça a rejoint Blanchette à la ligne bleue. Blanchette, on remet dans le coin. À l'orange, ensuite, il s'avance. Un tir arrêté par Bernier. On se fait insistant et on entend ce de l'arbitre. Et ça, ça va faire des malheureux. Bernier n'avait pas encore maîtrisé complètement la rondelle. Et voilà, il a sifflé l'arrêt de jeu. Et c'est dommage d'appeler l'arrière. On est passé très près de se rapprocher des 5 buts des rebelles. Vraiment, là, quelle performance de Félix Bernier. Surtout dans la deuxième moitié de la troisième période, là, il est venu frustrer les attaques des lauréats. Et Gabriel Doyon va demander un deuxième temps d'arrêt dans cette rencontre. Bien évidemment, on va tenter d'élaborer une stratégie là, à 6 contre 5 avec une mise en jeu en territoire offensif. Il reste environ là, 1 minute 47 secondes à faire au match. Alors, sur la glace, on a le trio de Loranger, Ouellette et Trépanier. Et on a ajouté l'attaquant Kevin-André Blanchette à ce trio. Enfin, non, pardon, c'est Loranger, Trépanier, Rhodes et Blanchette. On envoie également Ouellette. Avec Cyr en défensive et Jean. Donc, Jean, Trépanier, Loranger, Rhodes, Ouellette. Blanchette et Cyr, c'est parti. Il me semblait aussi que j'avais nommé beaucoup de joueurs. Ouellette va revenir au banc. Il y avait 7 joueurs sur la glace. Alors, on est parti maintenant. Mise en jeu remportée par Vézina Fusé. C'est dégagné avec la rondelle. Il lobe le disque. C'est intercepté toutefois là. Rhodes fait circuler cette rondelle jusqu'à Jean. Jean laisse derrière à Cyr. Remet à Blanchette. Blanchette réussit à conserver la rondelle et à la remettre derrière le filet à Rhodes. Rhodes passe devant, c'est raté. Couture tente le dégagement. C'est réussi ensuite avec l'aide d'un coéquipier. Cyr maintenant avec la rondelle. Remet à Loranger. Loranger protège la rondelle. Se défait de 2 joueurs des rebelles. Bien joué de sa part. C'est toujours Loranger avec la rondelle. Loranger renvoie devant. C'est ensuite Jean là avec la rondelle dans le coin. La rondelle glisse jusqu'à Rhodes à la ligne bleue. Rhodes va faire attention. Il est le dernier joueur là à la ligne bleue. Le rondelle libre en zone neutre. C'est dégagné avec la rondelle. Dégagné à du temps et de l'espace. Il tente un tir. Finalement, c'est raté. Il se contente de renvoyer plus loin. 40 secondes maintenant à faire. C'est Cyr avec la rondelle. Cyr remet à Blanchette. Blanchette passe pour Loranger. Loranger tente de pousser plus loin. C'est réussi pour Blanchette. Devant pour Trépanier sur réception, mais c'est raté. Cyr s'avance. Remet à Rhodes. Plus que 22 secondes. Il faudra un miracle là, maintenant pour les Lauréats. Cyr remet à Lagacé-Tessier. Un tir. C'est hors cible. Ça revient devant le filet. Et Bernier va immobiliser le disque. Alors, on va rester à 6 contre 5, là, mais les 15 secondes restantes là, seront vraiment une formalité.
Rhodes remporte la mise en jeu. Immédiatement, on tente un tir. C'est hors cible. Blanchette laisse derrière pour Jean. Mais c'est repris par les rebelles qui tentent un dégagement bloqué par Cyr. Cyr tente une passe, c'est raté. Cyr du revers également bloqué. Et le dégagement des rebelles. Et là, j'ai bien hâte de voir si ce sera un but alloué ou non. Mais peu importe, c'est une victoire des rebelles qui sont revenus dans ce match et ont marqué 4 buts en 3e période. Et combien de fois on l'a dit qu'il fallait faire attention à cette attaque extrêmement dangereuse. Et voilà, les rebelles ont marqué 4 buts en 3e période et vont partir de cette 7 avec une victoire. Voici les 3 étoiles maintenant. Donc voilà, ce sont 2 défaites consécutives à domicile pour les lauréats pour débuter l'an 2024. Ils vont se reprendre la semaine prochaine, 2 fois, face aux Gaillards de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc un match samedi, un match dimanche, les 2 à Saint-Hyacinthe. Les lauréats vont tenter de se reprendre après ces 2 défaites consécutives. Alors sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite un bon samedi soir. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Merci.